Madame la ministre, selon certains, le monde de la culture serait confronté à une montée de la censure sous diverses formes d'ailleurs. Je prends un exemple, un grand classique du cinéma, le film américain Autant en emporte le vent relate différents événements de la vie de Scarlett O'Hara, cette jeune femme issue de la haute société du sud des États-Unis. Et ce monument de l'histoire du cinéma a récemment subi une censure, notamment de la part de la plateforme américaine HBO et de quelques cinémas parisiens. En effet, le film qui se déroule à l'époque de la guerre de sécession expose certains comportements qui sont et ont été considérés comme racistes. Certains spécialistes défendent l'idée que les œuvres culturelles ne racontent pas seulement une histoire, mais nous éclairent aussi sur l'époque à laquelle elles ont été créées et la manière dont la société appréhendait certains faits, certains événements et au-delà certains contextes. Tantôt réaliste, tantôt fantaisiste, le 7e art n'en reste pas moins un art à part entière. Or, l'art ne consiste-t-il pas aussi en le fait de casser les codes, de s'écarter du normal, allez, pour ne pas utiliser le mot normal, du formaté et du lisse, la liberté de créer, de s'exprimer et même peut-être de choquer, risque d'être en danger si on continue à lui imposer davantage de limites. Je voudrais donc vous demander, Madame la Ministre, quelle est votre position par rapport à ces initiatives de censure dans le secteur culturel? Selon vous, le politiquement correct peut-il mettre en danger la culture et ses libertés? Et enfin, comment la Fédération Wallonie-Bruxelles entend-elle veiller à la liberté d'expression et protéger les œuvres d'art, quelles qu'elles soient, et leur contenu? Merci d'avance.